Comment rendre un homme amoureux par SMS? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes heureuse, tout simplement parce que pour moi, c'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver chaque matin. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes heureuses de vivre et des femmes qui sont fières du parcours qu'elles font et bien sûr, des femmes qui sauront séduire les hommes qui leur plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et aujourd'hui, on va donc voir comment rendre un homme amoureux par SMS. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi qui est disponible. Bah, du coup, juste ici, en description, elle est totalement offerte. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste là. Et ainsi, tu recevras mes vidéos chaque matin, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en leadership au féminin. Et ainsi, commencer ta journée avec un vrai boost de motivation et des vraies connaissances en plus. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment faire tomber un homme amoureux, comment rendre un homme réellement amoureux par SMS. Alors, autant vous le dire tout de suite, on ne rend pas un homme amoureux par SMS, c'est juste une question que vous m'avez énormément posée. Par contre, on va pouvoir réellement donner envie à un homme de tomber amoureux de nous uniquement par SMS. Comment? En étant différente de tout ce que les autres nanas ont fait jusqu'à présent avec lui. Par exemple, on est parfois sur certaines femmes qui vont être hyper plates ou juste hyper lambda dans les messages qu'elles vont envoyer à un homme. Par exemple, elles vont lui dire « Coucou, comment ça va ?» Ou lorsqu'il va leur dire quelque chose, elles vont répondre « Haha, trop cool » ou « Trop mignon » ou « C'est génial, moi j'ai passé une super journée, des bisous. » Le problème lorsque vous écrivez ça, c'est que vous apportez aucune valeur. Vous donnez rien de plus et vous vous comportez par message de la même façon que vous parfois vous le faites en réel, c'est-à-dire en cherchant constamment à plaire et à être validé par l'homme en ne prenant aucun risque. Ce qu'il faut, si vous voulez qu'un homme se démarque vraiment, enfin vous démarque plutôt par message, ce qu'il faut, c'est écrire les choses différemment. C'est-à-dire que vous allez commencer à apporter du culot à vos messages. Et ce qui est vraiment bien par message, c'est qu'on peut amener un autre type de discours que lorsque l'on est instinctivement devant quelqu'un. On peut choisir les mots qu'on utilise et on peut apporter beaucoup de culot à certaines conversation. Et il faut oser déplaire et challenger un homme. Il faut savoir s'amuser et prendre des risques pour qu'il y ait une vraie démarcation. Par exemple, lorsqu'un homme vous envoie qu'il n'a rien fait de la journée, au lieu de lui répondre « Oh mince, t'aurais pas dû plutôt travailler », tu vas lui répondre « Mais quel branleur ce mec !» Et tu vas juste répondre ça et là, il y a du culot parce que ça montre que tu n'as pas peur de lui déplaire. Parce qu'en soi, c'est quand même risqué, tu viens de traiter, tu viens d'insulter, limite un homme, et pourtant, bah, y a un vrai culot, il y a quelque chose, et lui, ça va lui plaire. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est à oser déplaire par message. Et là, tu vas montrer à un homme que, waouh, en effet, tu peux faire des choses. Maintenant, il y a des niveaux qui sont de plus en plus avancés, forcément là-dedans. Et pour ça, ben, je t'invite vraiment à voir la vidéo que j'avais faite avec mon amie Lorana, qui est disponible juste ici en description. Je vais vous la mettre en description, dans laquelle on avait analysé des messages qu'elle avait envoyés à un homme, parce que Lorana, c'est la reine des messages. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici directement pour voir la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin et être coaché par un membre Attitude Séduction, par un coach Attitude Séduction ou par moi-même pour justement avoir enfin des messages qui soient des messages de qualité, qui soient des messages dans lesquels vous allez dire, vous allez montrer à un homme que waouh, vous êtes hyper différente, vous avez vachement de peps, alors foncez juste ici dans le lien également en description. Vous aurez tous les renseignements sur les coachings actuels Attitude Séduction avec moi ou avec les membres de ma team, de mon équipe. On est tous au top et tout ce qu'on veut ensemble pour vous, c'est se bouger pour votre bonheur. Voilà pour cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction, de conseils et de clés pour prendre confiance en toi, pour séduire l'homme de tes rêves et surtout pour le
garder. À demain sur Attitude Séduction. Bye, mesdames.